Tous les vendredis, 19h-21h, sur Radio Mont Blanc, on vous offre 2 heures de musique en version live, avec Romain Bruno. Les Tailleurs de Costa, tenue de clown obligatoire. Le silex à la main. Ce soir dans le live back, deux invités, deux amis, Tailleurs de Costard, ils sont avec nous dans le live back. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Bonjour. Lazareff et Richie, deux potes, une aventure ultra rapide. Expliquez-nous qui veut prendre la parole pour expliquer ce duo insolite. Ben oui, insolite, oui, parce qu'en fait, c'est le fait du hasard, quoi. Personnellement, ça fait peut-être 25 ans que j'attendais ça, quoi. Et je suis tombé sur ce loustique, Lazareff, qui a atterri à la maison sans qu'on le cherche. Il est arrivé chez moi, c'était du tout cuit. Et je trouve que vous complétez très très bien tous les deux. On va essayer d'ailleurs de définir vos univers. Tout d'abord, toi, Richie, donc artiste, chanteur, harmoniciste. Ben moi, je suis un peu multifonction, un peu, voilà, je suis... peintre, sculpteur, bricoleur, décoration, voilà, j'aime bien aussi. Fabricant de meubles, éventuellement, de salles de bain, de céramique. Puis chanteur, entre guillemets, plus harmoniciste que chanteur. Et voilà, auteur, compositeur aussi. Toi, Lazareff, hein. Contrairement à Richie, qui est plutôt dans le blues rock, bah aussi auteur, compositeur, plus guitariste que chanteur à la base. Et vous l'avez peut-être vu sur scène, tu as fait la première partie d'Irma, par exemple. Voilà, l'année dernière, novembre dernier, ouais. Super date. Et alors moi, je vous suis pas mal sur les réseaux sociaux, avec le Facebook qui est très bien alimenté. Et il y a une interview, d'ailleurs, on en fait une là, mais il y en a une autre qui est déjà disponible, réalisée par tous les deux. Vous êtes totalement barrés. C'est un truc de malade, l'interview, elle est folle comme votre univers. Si, elle fait flipper, franchement, l'interview. On a même pas fait exprès, c'est venu en fait... C'est monté à la cut, c'est coupé, on vous voit, vous poussez des petits cris, vous répondez à des questions qui sont totalement folles. C'est ça l'univers de Tailleurs de Costard, hein. Oui, tout à fait, ouais, c'est ça. Ouais. C'est très rapide, très sec. C'est, ouais, c'est ça. Ça part un peu dans tous les sens, mais pas n'importe comment non plus. Quoi. Exactement. C'est ça. Là. Alors là, vous êtes là avec moi également pour un avis de recherche. Financement participatif. Voilà. Alors avant d'en parler, parce qu'il va falloir financer un futur album, on va demander aux auditeurs de participer à cette aventure Tailleurs de Costard. On va écouter l'un de vos titres pour donner un petit peu le tempo. On choisit lequel ? Richie par exemple, on choisit lequel ? Allez, on a dit Tailleurs de Costard. Tous les vendredis, 19h-21h, sur Radio Mont Blanc, on vous offre 2 heures de musique en version live avec Romain Bruno. Le silex à la main, les bouteilles des costards sur le dos des vautours. Le silex à la main, les bouteilles des costards sur le dos des vautours qui créent chose d'abattoir. Sa veste de coq en pâte. Des Tailleurs de Costard qui lance la rumeur au pied des poules. Des Tailleurs de Costard qui tire son épingle du jeu suivant les courbes. Des Tailleurs de Costard, tenue de clown obligatoire. Le silex à la main, il vous taille des costards sur le dos des vautours. Le silex à la main, traîne des costards sur le dos des vautours qui créent chose d'abattoir. Thank you.
vieille s'est perdue sur la bobine des gens qui passent inaperçus. Au fil du temps, des causes perdues. Ça pique ou ça fait mal. Oh oh oh. Motus et bouge décousue. Je suis ton tailleur. Tu sais, bouche décousue. Je suis ton tailleur. Qui se plie en quatre pour vous mettre en boîte. Les tailleurs de costard. Tailleur de costard, avec nous sur Radio Mont-Blanc, il y a Lazaref, il y a Richie, deux artistes ultra complémentaires avec un univers que vous allez forcément adorer. Alors, vous venez ici aussi pour un avis de recherche, financement participatif, parce que l'album n'est pas encore sorti. Et là, vous proposez l'opération Kiss Kiss Bank Bank. C'est quoi cette opération? Va falloir demander aux auditeurs de vous donner un coup de main. Voilà, c'est ça. Alors, Kiss Kiss Bank Bank, c'est une plateforme de financement participatif, c'est-à-dire qu'on met un projet en ligne, il est accepté, et après, pour soutenir le projet, il n'y a plus qu'à cliquer sur une certaine somme, et nous, on propose des contreparties pour la somme proposée, c'est-à-dire de 20 euros, à 20 euros, vous avez le CD, 14 titres, 28 pages, plus le pins, le badge. Après 50 euros, vous avez la casquette, les posters, les photos dédicacées, le CD, le EP, 100 euros, ainsi de suite, le t-shirt, et voilà. Et une soirée avec vous, après, sur mes 200 euros, c'est ça, non? Ah, on peut, alors non, alors ça c'est 500 euros, c'est un chalet, vous avez droit à un week-end, c'est-à-dire deux jours, le petit déjeuner compris et le repas avec les artistes. Alors c'est Kiss Kiss Bank Bank, vous allez faire un tour sur le site internet Kiss Kiss Bank Bank et comme ça vous tombez directement sur... Voilà, là vous tapez Kiss Kiss Bank Bank, vous tapez Tailleur de Costard et vous arrivez sur notre page. D'où vient ce nom Tailleur de Costard? Alors Richie, pourquoi Tailleur de Costard? Alors ça Tailleur Costard, c'est on vit aussi dans un monde un peu d'hypocrisie, quoi. Sauf que nous, là, on est des hypocrites, faut pas se leurrer, mais là, on va le dire en face quand même. Donc, c'est la fausse hypocrisie, quoi. C'est ça. Tailleur de costard, ça me plaisait bien parce qu'on était deux déjà. Il y a le chiffre 2 dans Tailleur de costard, c'est un duo. Et puis c'est actuel. Moi, on tire un peu sur tout ce qui bouge, sur la religion, sur les politiques, surtout avec tout ce qui se passe actuellement. Voilà, quoi. C'est un univers un peu qui taille, un peu, qui rentre un peu dedans, quoi. Et puis, ça correspondait bien à notre histoire parce qu'on s'est connus comme ça. Ça s'est fait de fil en aiguille. Voilà. On va rester dans les termes de haute couture, si on veut. Le champ lexical de la couture. Voilà. Lazaref, est-ce que tu peux nous présenter donc ce futur album qui sera composé de 14 titres? Alors, 14 titres dont deux covers qui seront de Alain Bashung et de Johnny Hallyday. Alors, après, on vous laissera découvrir les titres. D'accord. On vous laissera découvrir les titres. C'est un peu la surprise aussi de l'album. Et sinon, les autres titres, ça va être quand même... on va rester quand même dans un espèce de power rock, un peu punk, mais tout en acoustique. Alors ça, c'est important de le dire. Les morceaux sont joués, mais vous jouez dans les conditions du live, c'est ça, non? Quasiment, ouais. C'est surtout sur les vidéos où on a pris le temps de faire du live. Après, l'album, non, il est quand même bien studio. Il y a des instruments bizarres. Est-ce qu'on peut nous parler d'un des instruments que je crois c'est toi, Richie, que tu utilises? Ah, le theremin. Ah oui, il y a du theremin, exact. Oui, theremin, c'est une espèce d'instrument un peu qui marche avec la vibration, un peu comme ça, des mouvements. Voilà, donc si tu vous... Tu vois ce qu'on fait, voilà. Ça fait un peu synthétiseur, un peu moderne. Ouais. Si vous voyez un moment, si vous les voyez en concert et vous voyez Richie qui bouge les mains en l'air, il n'a pas d'espace, non, il utilise cet instrument. Bizarre, il faut mettre les mains dans l'air et ça fait des bruits bizarres. Voilà, c'est ça. Ouais. Alors il y a autre chose, après il y a du kazoo, bon, il y a l'harmonica bien sûr, il y a aussi du ballon aussi, mais voilà, un ballon gonflable, de la poche Super U aussi, je fais la publicité. Mais voilà, il y a un peu des petits trucs qui se rajoutent comme ça. D'accord. Ce qui est très fort aussi, Lazaref, tu vas pouvoir compléter, c'est que chaque chanson, moi j'ai eu la chance de jeter une oreille sur vos compos, chaque chanson, elles sont toutes différentes. Ouais, et ben écoute, c'est tout gagné pour nous alors. Mais il y a le fil conducteur de la folie et de la dénonciation, et autour, même vos voix, vous jouez sur vos voix, vous prenez des voix parfois médium, parfois grave, parfois aiguë. Ça... On s'en amuse aussi, ouais. 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 C'est sûr, de temps en temps, on s'en amuse. Non, puis en plus, on a eu la chance d'avoir déjà des chansons de prêtres, il y a des années en arrière et on savait pas quoi en faire, donc du coup
quand on s'est rencontrés, on a décidé de mettre toutes ces chansons passées dans ce futur album. Et on espère que, bah, comme tu dis, que chacun pourra trouver une différence à chaque chanson. Ouais. Alors là, les auditeurs n'ont qu'une seule envie maintenant, c'est ou deux, déjà d'aller sur Kiss Kiss Bank Bank pour retrouver Tailleur de Costard et faire partie de cette aventure avec vous, financement participatif sur Internet. Et puis la deuxième, c'est peut-être de vous entendre en vrai, en version live. Et là, je sais qu'il y a une date qui pointe son nez, le 2 du mois prochain, c'est ça? Oui, c'est ça, le 2 novembre à la librairie Livre en Tête. Livre en Tête. À Sallanches. Oui. À Sallanches, oui. Alors là, ça va commencer de 19h à 20h30, c'est très précis parce qu'en principe le magasin est fermé à ces horaires-là. Mmh. Et donc voilà, essayez de ne pas arriver trop tard parce qu'on va commencer le début de la session à 19h30 jusqu'à 20h30. Projection vidéo, mini-concert de 5 ou 6 titres. Petit four. Petit four et champagne pour c'est très important, ceux qui vont rester jusqu'au bout. Sinon, ils vont pas venir si tu dis qu'il n'y a pas de petits fours. Ah, les petits fours. C'est surtout, le 2, c'est surtout pour expliquer le concept Kiss Kiss et Bang Bang. Voilà. Et surtout, ça sera une grande première pour vous, il faut le signaler. Ah, tout à fait, oui. C'est la première date. Oui, surtout qu'on a commencé vraiment au mois d'avril, du coup. C'est-à-dire l'aventure à deux. Ouais, on a vraiment commencé au mois d'avril. Mais ça a été super rapide, hein, ouais, si on regarde. Donc on espère qu'on sera à la hauteur, mais normalement, ça va faire. On a fait 16 titres depuis avril, 16 titres sont déjà dans la boîte, quoi. Voilà. Le deuxième album est en suspens, il est déjà entamé. Mais ce que j'adore, moi, c'est la fusion entre vous deux, ce qui est très fort. Et ça s'est remarqué, même quand vous faites des titres, quand vous enregistrez les morceaux, c'est limite en one shot, quoi. C'est en une prise, paf, le morceau, il est là, il est prêt, quoi. C'est ce qu'on essaye de faire, oui. Bah, rendez-vous donc sur... Ah, vous avez le site internet, hein, www.tailleurdecostard.com. Ça, voilà, pour... on peut écouter les morceaux dessus. Tout à fait, il y a vidéo, quatre titres. Voilà. Ouais, vidéo, ouais. Teaser, tu disais, les arrêts, il y a tout dessus. Les chansons, des extraits. D'accord. Surtout, tout à fait. On va pas tout donner non plus. Richie, il y a la page Facebook. Oui, aussi, la page Facebook. Oui, voilà. Tout à fait. Et puis, on n'oublie pas le Kiss Kiss Bank Bank pour faire partie de cette aventure Tailleur de Costard. Oui, nous avons une date, la deuxième date, trois jours après, qui se trouve... C'est une tournée. C'est une tournée, carrément. une tournée locale, oui. C'est-à-dire qu'on va jusqu'à Passy, au Parvis des Filles, le 5 novembre, avec une soirée qui s'appelle « Ça joue dans le coin », organisée par Arf en concert. Et c'est gratuit, n'oublions pas, avec After Dark, Tailleur de Costard, Bluesman in Black, La Tête à l'envers et Drop Zone. Ce ne sont que des groupes locaux, je précise. Et ben voilà, allez-y. On rappelle la date, ce sera le 5 novembre au Parvis des Filles à Passy. C'était Tailleur de Costard, Lazaref et Richie dans le Live Back sur Radio Mont Blanc. Bon vent, il y a cette erreur-là, le Stade de France est dans 2 semaines, quoi. On espère, ouais. Merci, bonsoir. Tous les vendredis, 19h-21h, sur Radio Mont-Blanc, on vous offre 2 heures de musique en version live, avec Romain Bruneau.